光甘くささやく暗闇に立体感で惑う感情どっちだろうわからない。Yo tout le monde, c'est OTK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une profile, deck profile de deck robot bureau avec le nouveau support qui sont arrivés, plus la nouvelle banlist. Mais il n'y a aucune carte de la banlist, peut-être un gobelin parvenu, mais c'est tout. Et donc, c'est parti. Donc, on va commencer. Donc, les nouveaux, c'est 009 et la base. Donc, on va expliquer très rapidement. Robot bureau 09, c'est le dieu, tout simplement. Une fois par tour dans la main phase 1, on peut activer son effet. Cette carte gagne une attaque égale à la somme de toutes les attaques de tous les monstres au robot bureau actuellement sur le terrain. Et quand elle attaque, donc il n'y aura que cette carte qui peut attaquer. Quand elle attaque, aucun autre effet ne peut être activé jusqu'à la Dama Step. Et si cette carte va être détruite au combat ou par un effet de carte, on peut détruire une carte à la place. Donc ce qui se fait le dieu robot bureau, donc trop fort en deux exemplaires, c'est suffisant. Après la base de robot bureau, c'est le même effet que Cosmoville pour le premier. On révèle un nombre de robots bureaux, on les mélange dans le deck et on pioche le même nombre. Ça peut être monstre, magie, piège, mais bon, je joue que magie et monstre. Et autre effet, si on a 9 robots bureaux sur le terrain ou dans le cimetière, n'importe, les deux même, on les bannit et on peut renvoyer le terrain adverse, le cimetière adverse et la main adverse dans le deck. Évidemment, faut que les 9 robots bureaux soient sur le terrain ou dans le cimetière pour activer son effet. Donc commençons par la decklist. Donc on joue 3 robots bureau 04, c'est la base du deck, c'est celle qui permettra de foolish et de spé du cimetière et de la main. Robot bureau 03 permet de spé du deck, donc c'est combo avec le 02. Après, pour pouvoir faire le deuxième effet de la base, j'en ai mis un de chaque, donc 1-08, 1-07, 1-06 et 1-05. Après 1-01, donc voilà, obligatoire, c'est celle qui va faire OTK facile. Robot bureau 02. Et Robot Bureau 09 qui permet de faire OTK quasiment à coup sûr, qui peut atteindre une attaque de 12 000 facilement. 3 maxés, donc permet de piocher. 3 machines de duplication pour faire la combo avec le 02. 3 bases Robot Bureau, bon, j'ai expliqué. Rajeki pour essayer de faire un OTK facilement. Et un Twinster pour défausser au cimetière, comme ça on fait appel de 30 ou des trucs comme ça, donc c'est pas mal pour péter de MP. Deux fusions instantanées parce qu'on joue le 05 et on joue ces deux fusions là, donc ça permet de toucher le Infinity, mais on les utilise très rarement, mais ça permet de sauver des vies, et puis ça peut être un bouc émissaire pour le Twinster, voilà. C'est juste pour le 05. Un raisonnement permet de spé du deck, donc pas mal. Gobelin parvenu pioche, Soul Charge permet de revenir des games, deux appels d'étranger, deux Solemn Strike, un Warning. Deux forces de miroir violent et une bottom. Après, en synchro, je joue Z Robot Bureau, Lion, Barkion, Armades et Kalidor. En fusion, je vais jouer un Dragon Panzer, mais je pense jouer un Dragon Panzer et un Norden. Donc ça, on peut l'enlever, on peut mettre Norden à la place. Voilà, je vais le chercher. Donc Norden, qui voilà, comme ça permet de faire des X6-4 assez rapidement. Un Zenmao, un Volcazor, un Gergia Gigantix pour les Robot Bureau 04. Un Alucard, un Cyberdragon Nova, un Cyberdragon Infinity et un numéro 101 et un Castel. Donc voilà, donc c'était mon deck profile robot bureau. Donc on va se retrouver tout de suite pour un duel. Allez, à tout de suite. Combination, 波とずつ
その方を伝う涙一粒開けて散ったガラスのように僕に突き刺さる胸の痛みさらけ出していいよ、いつでもその Mandela les let's go. Ils partent de moi mais je les laisse. Gros, tiens t'inquiète, je suis pas la laisse.